Et salut à tous, c'est Fixy, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme autre qu'un mois, ça va nickel. Aujourd'hui les pivotes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Comme vous avez pu le voir, depuis pas mal de temps, je sors pas mal de vidéos sur Fortnite, des gameplays en duo ou en solo, voilà. Et étant donné que je vous ai présenté, étant donné que j'ai fait une vidéo où j'ouvrais tous les cadeaux, tout simplement, et ben j'ai décidé tout simplement de sortir une vidéo, donc cette vidéo, où je vais vous présenter mon casier Fortnite. Donc c'est parti, on commence avec les skins. Donc en tout premier les amis, nous avons donc le skin banane polaire qui aime la glace à la banane. Voilà, donc petit skin glace polaire. Ensuite nous avons cœur noir, le pirate, voilà. Donc on peut modifier le style hein, bien entendu, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc il y a plusieurs styles, ce style-ci, ce style-là, voilà. Voilà tous les styles que j'ai débloqués les amis. Voilà, voilà, donc là le skin, voilà, on les a en plusieurs tenues différentes. Ensuite, au niveau de la banane, donc il n'y a pas de style à débloquer encore. Ensuite, donc j'ai le skin hybride, pareil, voilà, avec des skins, avec des tenues différentes. Donc nous avons cette tenue-là, cette tenue. Je vais faire en sorte d'aller assez rapidement parce que, voilà, je pense que ça peut intéresser des gens, mais voilà, faire un truc de un quart d'heure, je suis pas sûr. Donc ensuite on a, voilà, donc ensuite tiens on a les skins, voilà. Franchement en noir il est vachement stylé, je trouve, j'aime beaucoup. On l'a aussi en bleu et en rouge. Et pour finir nous avons l'alligator, tout simplement. Voilà, donc deux couleurs différentes, voilà. Donc voilà au niveau de ce skin, ensuite nous avons la magnifique lynx, vraiment de toute beauté. Donc, donc nous avons donc la lynx de base, voilà. Ensuite nous avons la lynx de cette tenue là, muy caliente. Nous l'avons comme ça, mamma mia, de toute beauté. Et ensuite on l'a comme ça, en bleu, tout simplement, sans la queue. Voilà, et ensuite on a, alors ça j'ai pas trop compris. Ah ok, le même skin mais avec la queue, ok. Et donc là du coup on l'a en noir. Voilà, on l'a aussi en bleu. Et ce qui est stylé, c'est, vous pouvez voir sur les avant-bras, regardez, sur les avant-bras, tout simplement, ça, comment on dit, ça, il y a de la lumière et tout, c'est vraiment stylé. Voilà. Très très joli skin. Ensuite, nous avons Isa Noël que j'ai débloqué ben, tout récemment, voilà. Donc, alors, donc, j'avais pas à la mettre, non. Je vais plutôt mettre ce skin là. Qu'est-ce que je fais là? Je fais un peu n'importe quoi. Ouais, donc j'ai Isa Noël que, comme je dis, que j'ai débloqué, voilà, tout récemment, donc que voici. Ensuite j'ai chef de l'équipe bleue que j'ai débloqué tout simplement avec le pass culture, qu'est-ce que je raconte comme merde, avec le PlayStation Plus, voilà, parce qu'à l'époque où je l'avais tout simplement, comme vous le savez, quand on a PlayStation Plus sur Fortnite PS4, on peut débloquer pas mal de skins gratuitement. Donc voilà, ce skin là j'avais débloqué. Pareil pour le tirailleur bleu, voilà, petit skin gratos. Ensuite nous avons le sergent Frimas, voilà. Lieutenant Epicia que j'avais aussi débloqué durant le Noël de l'année dernière, ou je ne sais plus de quelle année, mais voilà. Zénith, et non le Zénith de Paris. Ensuite nous avons Prodige, voilà, plutôt beau gosse Prodige. Et pour finir nous avons Pyjama Mouth, voilà, Pyjama Mouth. Drôle de nom, bon voilà. Ensuite les amis, au niveau des sacs à dos, donc nous avons les sites, donc le sac à dos site. Ensuite nous avons le sac à dos altimètre. Ensuite j'ai le jeton d'or, le mutine, la planche de skate, le marque bleu, Amirez, fourbi de plage, cadeau idéal, bouteille abyssale, portail du gardien, radiotransmetteur, Rémus, Tadrouille qui devient de plus en plus rare parce que du coup elle date de la saison 3 et c'est un truc qu'on pouvait gagner. Tilleul, cadeau remballé, sac d'escalade, sac d'alpiniste, provocateur, planche 2020, Cobra,
calculette. Et il y a des trucs qui sont rares hein, maintenant. Par exemple, chapitre 2, saison. Attendez. Chapitre. Y a pas... Est-ce qu'il y a des trucs du chapitre 1 Alors, je crois qu'il y en a. Non, ouais. Bon, chapitre 2, chapitre 2. Ouais, bon, ok. Ensuite, au niveau des pioches, nous avons. Donc, la pioche que j'ai débloquée. Alors, on va commencer par le début. Donc, nous avons Belle Prise. Griffe du dragon. Griffeuse. Incendiaire. Manette. Jumeau pneumatique. Hachette du Hou que j'ai débloqué récemment. Hache abominable. Dérailleuse. Déneigeuse, pareil, que j'ai débloqué récemment. Brise roche. Pioche sucrée. D'ailleurs, la brise roche, la pioche brise roche, c'est la première pioche que j'ai eue comme ça. Ensuite, j'ai eu pioche sucrée, tranche champignon que j'ai eu récemment, du coup. Voilà, que les joueurs Fortnite, les joueurs ont pu avoir gratuitement de la part d'Epic Games. Ensuite, j'ai la trancheuse d'épices, la part de gâteau, voilà, qu'on pouvait gagner. La pioche de souvenir, bon, voilà. Et la pioche de base. Donc voilà, concernant les pioches. Ensuite, concernant les planeurs. Donc, concernant les planeurs, on va monter tout en haut. Donc, oui. Donc, je commence avec le Cyclone Astro World. Voilà, donc, franchement, bon petit planeur. Ensuite, nous avons le MCG. Voilà. Très sympa, lui aussi. Très clean. Ensuite, nous avons le Faucon Millennium. Vraiment super sympa, j'adore. Ensuite, le Sentinelle que j'ai débloqué récemment. Rien à dire, franchement, il est top. Ensuite, nous avons le Contraborateur bleu. Voilà, petit hélicoptère. Le Siège bleu. Le Serpent céleste. Les animations sont vraiment très bien faites, j'aime bien. Ensuite, nous avons Flap Flap. Voilà, très mignon avec ses petits yeux qui bougent et tout. Ensuite, nous avons l'égaliseur. Bon planeur, mais vraiment pas discret. Parce qu'il met de la musique et tout, c'est vraiment pas discret du tout. Ensuite, nous avons le Dirt Planner. Voilà, Planner Burger. Le Planner 2020. Voilà. Le Timber. Ensuite, nous avons le Traîneau Tactique. Avec des putains de lance-roquettes. Le L des Sims. Air Royal. L'impavide. L'impavide qui est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. On a l'holographique de la saison 9. Ensuite, nous avons le X de la saison 10. Bah, le 10 du coup. On a le SO D7. Voilà, de la. Bah, que j'ai eu récemment, je crois. En ayant fait top 1. Le planeur. Bon, voilà, franchement, ils sont pas cassés le cul à ce niveau-là. Le planeur. Le peinture lurée de la saison 4. Ensuite, nous avons le parasol de plage de la saison 5. Nous avons le parapluie de base. Voilà. Donc, c'est un infini des parapluies. Des planeurs. Ensuite, les amis, des parapluies. On va aller dans les traînées. Dans les traînées, on commence avec lueur de Bifrost. Voilà, petite traînée rouge. Ensuite, on a griffe glyph. Avec le cube. Hein. Branche décorée. Drapeau volant. Ensuite, nous avons plasma bleu. Voilà, très très sympa. Ensuite, j'ai plante grimpante, guirlande électrique, glitch, flocon de neige, énergie aurore, auroreal, popcorn, trèfle, et pour finir, les amis, tube néon. Donc voilà. Ensuite, au niveau des émotes, alors on va commencer par celle d'en bas. Donc j'ai celle-ci, ensuite j'ai soldat d'épices, soleil, toile d'araignée, top au top, tricot express que j'ai débloqué récemment, victoire royale, solaire, smoothie, sland duck, sirène, sergent GG, sergent frimas, rocket league, sac de charbon, salto du héros, salut, salut royal, sympa grincheux. Sapin grincheux, sympa. Rock, Posca Surfer,
pizza, pieuvre pirate, pot de banane, pisse mon pote, invasion du chaos, lol, ma part du gâteau, menottes, météro, putain je sais plus parler, météore, palmier, ensuite il est parfait que j'ai débloqué pareil récemment, hiver explosif, anlala, Guy, grand soleil, gentil maraudeur, pas des pistes méchants quoi, EGO, équipe m'échappe, équipe monster, exercice Shaolin, Shaolin, exercice Shaolin, fléau, fusée, 2 ans déjà, décoration GG, cappuccino, cupcake d'anniversaire, couronne GG, courbette, coupe de pierre, ouais bon bref t'as capté, il y en a beaucoup, j'ai pas envie de les faire, j'ai la flemme. Voilà, et au niveau des camos, bah, j'ai pas mal de camos, j'ai bleu rayonnant, j'ai bleu année 2020, j'ai camouflage arctique, j'ai camouflage tropical, j'ai papier cadeau, malédiction, jolie lumière, joli papier cadeau, flamme angulaire, courant sous-marin, petit cœur, rouge intense, épouvante, glaçage, grosse laine et noir furtif. Ouais, noir furtif, tropique en néon et Saint-Valentin. Voilà concernant les petits camos. Ensuite, au niveau des fonds, tout simplement, de chargement, j'ai Astro Wild, Cosmic Révolution au-delà des vagues, Bataille de Crépuscule, Flibuste, Tribution musclée, Chapitre 2, Saison 2, Casse-Noisette, Calamité, Ça va casser sec, Forme véritable, Groupe Élite, Île au Trésor, Le Noël des Bêtes, Madame Trèfle, Nomade, Sergent Frimas, Sergent Brut, Saison 7, Rodeo sur Fusée, Point du Méchant, Pain d'Épices, Super Côte-Côte, Ségal et Solaire, et pour finir, X4 Aquillon, avec les avions, les fameux avions. Et ensuite, au niveau des musiques, j'ai tout ça, donc celle-ci, L'Arrivée du Dévoreur, À l'Abordage, Anive Electro, Butin en altitude, putain, je sais pas ce que j'ai. Rive de la Tempête, Radiohead, Paillette, Néo Rétro, Flip Reset et Festif. Et au niveau de ça, bon, on s'en bat les steaks. Donc voilà les amis, j'espère que tout simplement cette vidéo vous aura plu. C'était voilà une petite rétrospective de ce que j'ai comme quasi Fortnite. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Fixy, portez-vous bien. Peace. Back from the dead.